Voilà, eh ben on est dans le feu de l'action. Il va bien, c'est marqué 10 secondes, 11 secondes, oui, si je le dis, c'est qu'on est dans le feu de l'action. Il y a même le soleil pour témoin. Eh ben vous voyez les amis, Pâques n'était pas loin. J'en ai même retrouvé ces jours-ci, et pourtant on est au mois de mai, alors ça fait déjà un moment qu'il traîne dans les rues. On dit Pâques plus vieux, Pâques heureux. Ah oui, eh ben écoute, hein. Il est bien plus vieux depuis Pâques. Et alors, Richard, il faut quand même que je te présente au public, monsieur le Sadou. Qu'est-ce que vous venez faire là? Bonjour. Vous venez à la médiathèque, à la bibliothèque? Ah, vous allez prendre des œufs? Vous croyez qu'ils sont chocolat encore ceux-là? Ils ont déjà fondu depuis le temps. Je vous regardez votre soutien-gorge, mon ami. Pourtant, vous êtes bien arrangé. Oh! Il y a un coq qui a pondu un œuf, là, il est plus gros que les autres. Ça, c'est un œuf d'autruche. Ah ouais? C'est celle qu'on a rencontrée, là, tout à l'heure? Ouais, ouais, l'autruche, ouais. Elle avait du mal à pondre les œufs. Mais tu sais qu'elle a triché? Parce qu'elle l'a caché dans le sillon du champ, mais moi, c'est, je l'ai vu, je l'ai ramassé. Hein. Ah ouais? Je croyais que je ne l'avais pas vu. Et c'est le plus beau, hein? C'est le plus beau, hein? Il a l'air couvé, non? Il est couvé? Oui, il s'est mauvais un peu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de petit? Non. Non. C'est... Vaut mieux le manger ce soir, alors. Oui, c'est plus sûr. Il passe. Donc c'est vous qui avez passé ce petit cœur rouge en même temps, là, pour accueillir tous ces œufs pondus du jour? Mais oui. C'est joli quand même, hein? Oh, elle est jolie, cette boîte, elle a même un couvercle. Ah oui, l'action, c'est que vous perdez votre soutif. Ouais, ouais. Posez vos œufs, monsieur, parce que je crois que vous avez de la lecture à la médiathèque, c'était pas pour les œufs. Hein. On voit bien qu'on habitue les enfants à manger du chocolat partout avant d'arriver pour les mettre dans leur poche. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, Laurel, Hardy, les compagnons? Laurel et Hardy. Hardy, c'est qui? C'est vous ou c'est moi? Ouais, oh, oui, moi. Vous êtes le maigre et moi je suis la grosse. Attendez, regardez. Trois. Le rire? Voilà. C'est une base? Le rire est une base fondamentale de la vie d'un couple. Oh ben pas que, hein. La vie tout court. Hein. Ah oui, et toutes les relations avec du rire, c'est quand même plus léger. C'est sans Laurel qui l'a dit. C'est sans Laurel qui l'a dit. N'est-ce pas, Sten? Stent. Voilà. Les stents, c'est pour le cœur et les artères. Hein. C'est ça que t'as connu? Ouais. C'est qui ceux-là? Les francs-macons? Non. C'est la franc-maçonnerie. Ah oui? Ah ben, à la... Oh, ça c'est une organisation? C'est une organisation philosophique. Oh, mais tu vas pas le dire, Richard, il est en garde. Je suis en train de filmationner. C'est une congrégation, ah la oui. Congélation, de congélation des saints déserts. C'est où que tu as vu ça? La congrégation, c'est pas la congélation, des sons of the desert. Ah oui, c'est l'anglais. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur le plateau? On s'en fout, Honolulu, Liver, je sais pas de quand ça date tout ça. Ah, il y a Marilyn Monroe. Ah non, on dirait que c'est anglais. Page 10, où en êtes-vous? Page 10. C'est Honolulu et là, c'est en près. Les deux copains. Non, 10, c'est là. 10, c'est là. Ah oui, les deux copains que nous avons créés, ce sont des gens doux, très doux. Oliver Hardy. Eh bien, c'est nous, un film et deux vies. Eh bien, c'est notre film, c'est nos deux vies, hein, chat. La bassine. La bassine. Et le chaudron. Magique. Ouais, la bassine. Magique, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a regardé? Pour pouvoir se rendre à leur congrès, Laurel a dit, on met un point, un stratagème. Hardy prétend être malade. Un médecin convoqué par Laurel. Ah, mais je comprends pourquoi on en est là, parce que c'est rire, mode d'emploi. Eh bien écoute, on les renverra, on leur dira le nom de la brochure. Hein. Le rituel de Laurel et Hardy. Il y en a encore à voir. Et puis comme il pleut, je suis obligée d'accélérer le mouvement. Les gouttes tombent, et ça va tout mouillasser. Tout mouillé. 12. Ah oui, il y a de la lecture là qui nous intéresse. Tour au petit Christy. Charlie Chase et Mae Bush. Donc ça doit être elle, Mae Bush. Ah ouais. Charlie. Elle a une belle bouche. Oui. Mais heureusement qu'il n'y a pas Clinton, Bush et consœurs. Hein. Attends. Non, l'histoire du cinéma, peine à retenir les mots. Ah oui. Et là, il y a couchi-couchi, piou-piou, piou-piou. Ah bah, c'est batte.
Bon. C'est Bat. Donc c'est lui, Charlie Chase, il fait la vedette d'une série. Attends, d'une série de burlesque. Et elle a débuté comme Vamp. Ah, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est elle qui est passée avant moi et je suis sa trace avant de se tourner avec succès vers la comédie. C'est ta tante? C'est ma tante Dorothy Christie. Non, elle s'appelle, on a dit, Chase Burger. Bush. Oh, bah, je sais plus, moi. My Bush. Et là, il y a Charlie Chase. Il n'y a pas de Chaplin? Non. Et après, non. C'est qui? C'est lui qui a des bavaris. Jamais je ne voudrais faire une partie d'un club qui n'accepterait pas mon membre. Qui m'accepterait pour moi. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur au nez rouge? Les rois du rire, c'est toujours nous, hein? Les Brothers, ils figurent parmi les premiers maîtres de la comédie dialoguée. Mais c'est vieux, les années 30, on n'était pas nés, hein? Ah non, on n'était pas nés comme le poisson, hein? Non, j'ai pas 90 ans, moi. Du coup, là... Ah bah attends, j'ai pas combien? 15? Ah oui, mais t'as raison, c'est la dernière. Ah oui, hein? Alors voilà, les amis, tout ça pour vous montrer que les Laurel et Hardy, la collection DVD, les Sans Souci et les Bohémiennes, et je ne sais quoi, c'est la Bohémienne. Ah oui, la Bohémienne, les conscrits, bref, il y en a tant. Eh ben, je les ai trouvés où, Richard? Dis-leur. Où c'est que je les ai trouvés? Tu te rappelles? T'étais pas dans avec la moi. La boîte magique. Je les trouve à la poubelle, là. Mais non, c'est pas la poubelle. Ben ah oui, c'est pareil. C'est une boîte magique. Oh, tu es vraiment bien habillé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'envier. Vous savez, quand on sort en ville comme ça, on passe pas inaperçu. Et on a une contravention pour non port du masque. Et pourtant, on a tout ce qu'il faut pour être masqué. Même le soleil, il l'a dit. Regarde, notre copain là-haut. T'as vu? Notre copain d'abord. Ouais. Alors, on va vous faire des gros bisous parce qu'on est en train d'être mouillé doucement, mais sûrement. Hein, Richard? Eh oui. Ah oui, et le caouet, il est trempé. Hop! Alors on remballe les œufs, puis on dit à l'année prochaine, on les ressortira pour faire une blague à quelqu'un d'autre. Ouais. T'es prêt? Comment je fais la pause? La pause café, c'est bientôt, hein. Elle va être mouillée.